Je vais poser une question de relance là, Kounia. Qui ça, qui action concrète, diaspora a fait, dans le contexte de discussion, ça a fait pour réduire la dépendance à foreign aid là? Qui ça, concret, diaspora a fait? Nous toujours avons dit que les Haïtiens ne peuvent pas mettre tête ensemble. Nous-mêmes nous disons parce que pas éduqués. Nous-mêmes nous éduquons bon, ici. On met tête nous ensemble. Nous avons une idée ou une idée, docteur m'a une idée, si vous avez plusieurs personnes qui ont une idée. Mais si nous ne mettons pas tête nous ensemble pour nous former une idée, ça ne nous font pas. Pas grand-rien qu'à faire. Okay. Parce que nous tous campés contre l'autre. Juifs là, lui-même, nous sommes tous. Coréens, tous. Français, Américains, tout le monde est tous. C'est seul nous-mêmes qui ne sommes pas tous. Sauf si nous sommes tous, nous ne sommes pas tous. Avancer, non? Ok. Si vous docteur Marc, vous avez utilisé ce mot-là pour me demander, je ne vais pas l'envie. Et les Haitian League, on connaît un grand meeting qui était fait à Miami, et puis pour nous gagner des tout qui est interlopé, qui paraît, qui dit je sais que ça des diaspora, dans la commission. Mais cependant, et vous connaissez qu'on ça va dire, nous ne pas nommer nos noms, vous comprenez? Et cependant, mais nous dit que oui, qu'on plan, diaspora, qu'on plan. Il y a un plan qui fait. Il y a un plan qui fait que nous-mêmes, nous avons reconnu. Par exemple, à travers les Haitian League, il y a un plan pour l'agriculture. Mais ça nous fait comprendre. Bien des fois, les gens font sortir un plan, nous demandons qui est-ce qui fait plan. Par exemple, les gens font un budget qui est un budget à gagner, on a fait de 10 millions de dollars US. Les gens qui m'ont dans le budget, moi j'ai un seul de tas de nègres qui sont en Europe, agriculture en Europe, division en Europe, mécanisme, qui ça, ça va être belle, belle bagaille. Et puis, les gens qui ont budget, il y a des nègres, chaque nègre a touché ceci aussi, moi plus de 7 millions de dollars passés dans le salaire de l'administration, ça pour entrer quoi, je ne peux pas. Excusez-moi. Ça pour entrer quoi, je ne peux pas, pour développer, pour faire développement. Agriculture et que Zico capable de faire, parce que nous-mêmes nous comprenons en Haïti, qui est l'agro-industrie et que les salutés pour moi. Et puis, le regard de ouais, pas qu'on fait rien qui est dans la machine, mais que mettez pas un plan pour piquer avec tel pour les Haïtiens utiliser. Et nous connaissons que l'État que nous avons, en 1998, nous avons 900 000 hectares de terre qui étaient à travailler. Nous n'avons pas les côtés qui ont fait jouer. C'est pas vrai? Après tout le temps de cycle, en 2006, il était réduit à 750 000 hectares de terre qui étaient. Ça me dit oui, dernier statistique là. Quand il y a là, ministre Gueye a sorti un programme qui dit que c'est 200 000 hectares de terre qui a ici le travail. Mais là, nous disons travail là-bas, et bien effectif ou qualitatif travail, non? Qualitatif qui nous travaille, non? Mais ce travail, ça dit même je connais. Et là, on a deux carottes, ils font des jardins, ils ont des jardins, qui n'est pas assez pour comme ça. Donc nous-mêmes, dans la diaspora, comme on fait partie de la diaspora, nous avons un programme, et Agronome Zico a un programme pour développer le développement. Et nous sommes capables de payer à manger. On n'a pas besoin de travailler plus de 300 000 carreaux de terre, en hectares de terre, pour qu'on ait tout Haïti manger et pour nous vendre dehors. Alors, mais il y a une possibilité, mais pour le moment, nous n'avons pas une opportunité. Parfois, nous faisons un programme. Non? Le programme arrive de l'autre bord, c'est nec, mais pas un le fond, qui n'a pas d'avantage aux États-Unis. Yeah. Pour nous vendre, c'est là, du dur. Et si l'avantage, et si Clinton même dit que, même il connaît, il admet, il dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et puis, qui dit qu'on s'accueille, c'est lui-même qui connaît que lui associé avec les gens pour détruire la production du riz en Haïti. Vous comprenez? Et monsieur dit la bouche. Li. Bon, on est conseillé pour finir ça, même pas aucun. Pas dit de pouvoir pour nous dire. Nous-mêmes. Parce que monsieur, je ne sais pas vrai. États-Unis, qui ont Arkansas a produit du riz pour tout Haïti manger, ainsi de suite. Pour qui les autres Américains prennent nous pour produire du riz? C'est pas vrai. C'est nous-mêmes qui avons qui prend la main pour nous connaître que nous pouvons se habiter envers le peuple haïtien pour nous dire que en avant, comme quand ils disent qu'à prendre la mort, vous pouvez débattre 21 ans, deux jours de ça, monsieur. Nous ne pas dire qu'on fait 21 ans, mais c'est le dernier bataille de faire, pour nous débattre mon aspect. Donc c'est ça. Ben, alors, question pour le poser, Zico, parce que nous allons arriver dans le monde quand on l'autre pose. En termes de plan, il y a un pile plan AIC qui est là. On a un groupe qui vient en s'arrêter les plans stratégiques nationaux. Et Magbaz était conseiller dans le plan ça. Il y a plusieurs groupes qui ont rencontré. Nous avons un plan pour développer le pays.
et on parle un problème qui est vraiment capital tout en pile dans plan ça yo ou je une série de experts haïtiens qui en est chargé en Bancob pour offrir expertise yo. Est-ce que dans cadre effort ça pour nous réduire dépendance nous, est-ce que c'est pas leur côté des experts haïtiens qui quand dit c'est bon côté pour m'en offrir expertise moi avec pays ça me connecte pas à payer dedans. Bon, définitivement, c'est une très belle question. Et bon, je vais avoir un petit temps pour me répondre avec question ça, mais avant tout, sur la question de Mme Maniga. Et vous pouvez constater à quel niveau Mme Maniga est, donc pratiquement son fin intellectuel, son dame qui lit dans la lettre fin, etc., etc. PhD, Sorbonne, etc. Mais voilà, il est important pour nous essayer de comprendre. Poser problème fiscalité en pays, c'est pas pareil qui aussi simple que ça, surtout dans le cas pays d'Haïti là. Donc, Chérisa te dit un bagage et c'est une bagage qui électrisé pendant monsieur Abdi ça, monsieur dit bon, système politique qui est en place dans le pays là, il va déterminer toute l'autre bagage qui va venir, toute l'autre entité qui a un rapport avec l'État au niveau service pour rendre à la population, il dépend de lui. Faut qu'on ait un système économique. Et système économique là, faut aller de pair avec structure, système politique qu'on a qui est en place dans le pays. Pas gain à sortir de là. Donc, trop souvent en Haïti, bagaille tellement en pile là maintenant, nous fait bagaille gaillé. Ça veut dire qu'il y a un petit élément et puis il y a un pensé, nous dit que n'a pas chargé mon temps, taxe, c'est là. Mais qui ça peut déterminer tout bagaille ça yo, c'est la politique, une politique économique de l'État. C'est pas en politique qui ont un individu pour le déterminer que c'est un gouvernement pour le cita. Et esprit ça même, mettez-nous dans la situation qui nous est là dans le jeudi. Ma fonti ouverture tout petit. Et la présidence de Préval, c'est une des plus grosses catastrophes que le pays d'Haïti a connaît. Or, il y en a qui arrivent avec des bras balancés, sans un en amène, sans un en tête, li, qui prend responsabilité la vie de 10 millions de monde dans le pays. Ce n'est pas mince à faire, monsieur. Donc, mais qui résultat que le banon dans le jour il faut que nous fassions en pile attention. Tout à l'heure, songez que me dit que faut qu'on discipline l'espoir. Ce n'est pas seulement, général que forcément vous devez une grosse formation académique pour vivre et une capacité pour gérer un pays. Parce que sinon, que ça nous l'a fait et naturellement. Il t'a dit au Brésil, il n'y a pas jamais arrivé fait. Ouais. Mais cependant, il y a assez d'intelligence pour comprendre que faut le mettre des gens qui ont capacité. Il faut le mettre des techniciens qui ont capacité pour faire travail là. Donc moi, pense que c'est là que nous sommes dans le journée aujourd'hui. Nous avons besoin des gens, nous besoin de ressources pas nous. Et il y a un problème grave que nous avons dans le journée aujourd'hui. Les nègres de la campagne écrit un plan. Il va visiter un côté en dedans pays et puis les cours en plan et le bagaille. Il va aller dans fond l'hôpital dans mitan en désert et puis il dit mon cher me font l'hôpital, font gros l'hôpital. Tant que l'autre là qui font pont que n'ont pas besoin qui dépenser des millions pour font pont que n'ont pas besoin dans rentrer gonaïve. C'est grave pour des monde qui penser comme ça qui gagne responsabilité l'état dans mais pour c'est comme ça qu'il y a pas approcher un problème yon pays. Oui, non voulons que les techniciens haïtiens prennent responsabilité pour approcher le problème, non. Mais nous voulons pour approcher très rationnellement, très scientifiquement, de manière à ce que pour porter le résultat que la population elle-même l'attend. Thank you. D'accord, nous allons prendre un break dans l'autre partie de l'émission. Nous allons permettre que ma radio qui lance avec nous, puis au même tout, nous capables de poser des questions, nous capables participer à la discussion sur nos opinions, nous capables de partager l'opinion avec nous. Nous voulons remercier tous ceux qui ont supporté nous. Haitian American Democratic Club, Island Grill Restaurant, qui ont même nous place à la Monte Cachita pour faire des discussions. Gagné Centerport Wedding and Party, qui ont même tout supporté le programme. Gagné Marie-Jude, qui est une Independent Beauty Consultant, qui ont même participé. Gagné. Olui, Will Aviva, qui supportait Gaye to New Bethany Baptist Church, qui supportait le programme. Sous besoin d'advertise dans le programme, relay Alan Daphnis dans 407-545-91-15. 407-545-91-15.